Été 80. Je partage ma jeune vie entre les bras de Maurizio. C'est vrai que t'es un ancien terroriste. Le squat de Lolo, le palace et les bains-douches, histoire de me dégourdir les jambes et d'étancher ma soif. Je t'ai cherché partout, là. On a rendez-vous dans 2 heures avec Habitbol. Si c'est pour gueuler votre haine de la société dans le micro, c'est pas chez Habitbol que ça se passe, hein. Attends, si elle est chanteuse, moi je suis danseuse classique, hein. Là, j'ai très envie de t'embrasser, je fais comment? Tu fais? J'ai fait le test. J'ai le sida. Je t'ai peut-être contaminé. Toi aussi? Putain, je suis enceinte. Et lui laisser une pierre tombale en héritage. Je suis pas pour toi, je raconterai. Tu le raconteras rien du tout. Je veux pas qu'il sache que son père était un jeune con dépravé qui n'a même pas été capable d'atteindre les 30 piges. Chaque jour, je renais dans les bras d'Esther, mon bébé. T'as un chien, Manon? Et une fille aussi. Automne 88. Je traîne ma déprime de Starlet Kleenex. Oh putain, je suis en descente là. Je voudrais savoir si t'es capable de venir dîner à ma maison ce soir. Faut vraiment que j'y aille. Hein. Je crois que je vais t'attendre là. Hein? Je vais t'attendre là. Ah bon? Je sais. Je suis nulle. Avec ma fille, je suis nulle. Avec les mecs, je suis nulle. Alors prendre un râteau. Avec un jardinier? En plus.